du monde est finalement détenue par Alexeyev avec 230 kilos. Saint-Jordin, qui vous est arrivé très souvent de participer à des épreuves d'haltérophilie en Union soviétique. L'haltérophilie en Union soviétique, c'est vraiment un sport national? Oui, c'est exact. L'haltérophilie en Russie, c'est l'équivalent du cyclisme en Belgique. C'est vous dire l'engouement que ce sport suscite auprès des grandes foules dans le pays. Pourquoi? Ben, tout d'abord parce que les grosses vedettes mondiales se trouvent chez eux. Il est un fait certain, pour qu'un sport soit populaire, il faut qu'au départ, il y ait de grosses vedettes. Chez nous, en Belgique, le cyclisme est très populaire. Pourquoi? Ben, les grosses vedettes n'ont jamais manqué. Je ne citerai pas les noms parce que tout le monde les connaît. Eh bien, en Union soviétique, l'haltérophilie, c'est la même chose. Et actuellement, le numéro un mondial, eh bien, c'est un Russe, Alexeyev, qui est en Belgique pour l'instant. Et effectivement, chaque fois que je suis allé chez eux, j'ai fait les championnats, ce fut toujours devant la grande foule. C'est-à-dire combien de personnes, par exemple? Oh, mais c'est toujours un minimum de 12 000, voire 15 000, et même davantage. Combien y a-t-il d'haltérophiles en Union soviétique? Mais c'est un chiffre assez difficile à connaître, car ça fluctue assez souvent. N'empêche qu'ils sont au-delà des 500 000. Vous vous rendez compte, une population de 500 000 habitants, c'est quelque chose. Eh bien, la Fédération haltérophile russe, c'est cette population. Et quand on a un tel bataillon d'haltérophiles, il est normal que l'on puisse sortir autant de champions que la Russie. Et c'est pour ça qu'à longueur d'année, les Russes sortent des champions qui sont chaque fois plus forts, chaque fois plus prestigieux que les précédents. Dans nos pays, un champion, que ce soit un haltérophile, que ce soit un nageur, un athlète n'importe, bien souvent, cet athlète d'exception, il est seul. Il se trouve au sommet de la hiérarchie mondiale et il se sent vraiment isolé. Pourquoi? Parce qu'il sent que derrière lui, il n'y a rien qui suit. Et c'est un handicap, que l'on dit ce qu'on veut. Et en ce qui me concerne, je ressens très souvent, et surtout maintenant, de plus en plus, je ressens cet isolement. Car chaque fois que je vais dans un championnat chez moi, ici en Belgique, je suis chaque fois obligé d'affronter, non pas des adversaires, mais d'affronter mes propres records, d'affronter ma propre personnalité. Et je crois que ce manque d'adversité, pour moi, ici en Belgique, est un handicap. Tandis qu'Alexeyev, tout grand champion qu'il a actuellement, il ne peut pas se permettre de faire de fantaisie, car il y a suffisamment de concurrents derrière lui qui demandent qu'une chose, qu'il fasse un faux pas pour le surpasser. Il avoisine les 80 cm. Et tour de bras? Et de bras environ 52. Ce sont des mensurations nettement au-dessus de la moyenne, si je veux dire. Un homme qui côtoie Serge Rodin chaque jour, son entraîneur André Dupont, nous fait découvrir un aspect insolite du caractère de son élève. Alexeyev's record, 502.6 pounds.